Salut à tous, voilà, me voilà installé donc dans un lac qui fait à peu près 45 hectares, un magnifique lac qui reste assez difficile à pêcher par son accès, comme vous l'avez vu, à peu près une demi-heure de marche dans la boue. Ou dans les ronces, enfin pas très agréable. Et puis donc par ces postes, sachant que donc comme vous avez vu, j'ai deux lignes qui pêchent en face d'une île qui est complètement encombrée d'arbres morts. Donc évidemment c'est leur terrain de jeu favori, donc pas facile de les sortir à cet endroit là. Et donc une canne, ma troisième canne au-dessus des roseaux qui donne dans une petite anse qui peut être payant. Donc sur l'île, enfin devant l'île, je pêche au carnet. Et sur ma canne, donc dans la petite anse, en fruité. Voilà, on verra en espérant que ça porte ses fruits. Me revoilà, donc quelques heures que je suis déjà au bord de l'eau et malheureusement aucun run, aucun bip, rien du tout. Donc je vais peut-être changer ma tactique d'approche parce que bah, tout simplement ce matin j'avais mon pneumatique parce que je pêche en dépose habituellement avec des cannes 10 pieds. Mais le problème c'est que les ronces dans le chemin ont eu raison de mon pneumatique, donc je peux plus l'utiliser. Donc il va falloir que je jette de la rive. Et donc le petit souci dans ce lac c'est qu'il y a énormément de vases, donc il va falloir que je change un peu de tactique de montage, que je pêche certainement en flottant, c'est même ce que je vais faire. Donc j'ai refait mes bas de ligne. Voilà la petite tactique utilisée, donc très simple, un cheveu en tresse pour garder une souplesse sur ma bouillette, enfin sur mes bouillettes, et un bas de ligne en fluo qui reste assez rigide, comme ça me permet de lancer relativement fort sans m'en mêler. Voilà, donc je vais retirer mes lignes et on va essayer tout ça en espérant que ça soit un peu plus concluant. Bon bah la nuit est en train de tomber, toujours pas de départ, ma stratégie de changer de bas de ligne et mettre du flottant pour l'instant n'a pas payé. Donc en place depuis à peu près 13h cet après-midi et là c'est 19h. Voilà, donc eh ben, on va essayer de faire une petite nuitée en espérant être réveillé par la centrale. Superbe. Qu'est-ce que c'est beau, il n'y a qu'à la pêche qu'on peut voir des choses comme ça. Waouh, en extase, vraiment en extase devant ce décor. Et voilà, le soleil se lève, je viens de me réveiller, un joli petit run vers 1h du matin, malheureusement qui a dû finir sa course dans un arbre mort. J'ai rien pu faire, donc ça a fini par une casse. Donc voilà, une nuit un peu fraîche, pas vraiment mouvementée on va dire. Donc en espérant que ce matin ça soit un peu meilleur. Salut les amis, donc c'est 10h ce matin là, et toujours rien. Donc j'ai changé complètement encore de tactique, cette fois je suis passé en graines, en tiger, avec un petit maïs flottant sur le dessus et l'asticot artificiel. Changement complet, hein. Plus de bouillettes sur les trois cannes, je suis passé en tiger. Ça a déjà fait ses preuves ici, donc le tout pour le tout avant de partir.
à la vôtre. Je me console comme je peux. Ça y est les amis, après 36 heures de pêche, un petit bœuf est venu me rendre visite. Un run de fou sous la pluie, je sais pas si ça se voit. T'énerve pas. Je vais bientôt te montrer. Enfin voilà, 36 heures, c'est vraiment long. J'ai eu un run cette nuit à 1h du matin. Malheureusement qui s'est fini dans un arbre mort. Mais voilà ma récompense ce soir. Elle a pas envie de se laisser faire. Elle a vraiment pas envie de se laisser faire. Un monstre. Un vrai monstre. Je vais arrêter de hurler parce que je dois lui faire peur. Voilà. Elle est pas belle la vie. Ça c'est du poiscaille. Un joli bloc, un mâle. Magnifique. Magnifique. Juste avant mon départ. Voilà, session terminée. Donc comme je vous disais tout à l'heure, 36 heures de pêche. J'ai attendu encore une petite heure des fois que les poissons soient rentrés sur mon spot. Bon, malheureusement ça n'a pas été le cas, c'était certainement un mâle sédentaire ou un suicidaire. Mais voilà, une belle aventure, pas très poissonneuse, mais vraiment une belle aventure. Avec du beau temps, de la pluie, du froid. Mais des magnifiques paysages, une pleine lune superbe et un lac vraiment un lac vraiment immense et magnifique. Voilà, donc merci de m'avoir suivi et à très bientôt au bord de l'eau. Bye.